Moi, je suis actrice. Bah, le statut, c'est intermittent du spectacle. Oh, la question, l'eau qui tue. Ouais, bah, ça va, quoi. Oh, bah, en fait, t'as plusieurs solutions parce que bon, maintenant, ces connards, ils ont changé les règles. Maintenant, il faut 507 heures dans l'année. Alors, ils nous font bien marrer parce que bon. Bah, on triche, quoi, je veux dire, on change tout. Bah, c'est-à-dire, si t'as des répétitions, par exemple, bah, on te les paye comme si t'étais des cachets, comme si c'était des représentations. Tu t'arranges de manière à avoir tes 507 heures et puis basta. Bah, ils y voient que du feu, de toute façon, c'est comme ça. Tout le monde, je veux dire, non, mais attends, on est en France ici, quoi. T'es trop, toi, comme mec. T'es vidéaste. Hein? Ouais, bah, si tu veux. Hein. Bon, mais une fois que t'as touché. Une fois que t'as tes 507 heures, bon, bah, tu cotises. Donc, bon, bah, vu que t'as cotisé, de toute façon, t'es dans les règles. Hein. Bon, bah, là, tu touches un. Tu touches un max. Hein. C'est pas mal, intermittent comme statut. Hein. C'est-à-dire que tout. Si tu mets tous les jours où t'as pas travaillé, si t'as tes 507 heures, bon, bah, tu. Tu touches pas mal de fric dans la syndic intermittent du spectacle. Et ça te permet, si tu veux, bon, pas vraiment de te faire un double salaire, mais ça te fait quand même deux tiers, le deux tiers de de ce que tu touches habituellement, si tu veux. Donc, bon, bah, ça te permet de garder ton train de vie. Hein. C'est ça qu'il faut voir, quoi. C'est quand tu es acteur, tu as un train de vie à tenir.